Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Call of Duty WW2. Et là, on commence par une nouvelle vidéo sur ce Call of Duty exactement. Donc avant cela, je vous souhaite tous une bonne année, bonne santé. Bon, même si quand j'ai commencé l'année, j'étais pas en bonne santé. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, voilà, tu vois donc, plus rien. Bien sûr, comme vous voyez, là, c'est le débarquement de la Normandie. Donc, bon, bien sûr, à ce moment-là, je suis Daniel. Et donc, voilà. Le saint patron des soldats. Il couvre mes Agnello, Sussman, et l'autre s'appelle comment déjà? Sussman, trois fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Enfin, moi. Je sais pas. Ah, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Sussman. D'accord. Ça marche. Ah, oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh. Briefing à 18h, on est en retard. Ok, donc il s'appelle Steele. Je couvre nos arrières. Donc là, on est dans un bateau, donc on attend juste le jour de débarquement, hein, en Normandie, hein, contre les Allemands, bien sûr. On se croit spécial, hein. Les poches vont vous bouffer tout creux. Et lui là, bien sûr, ce sergent que vous voyez devant moi là, lui il a toujours mauvaise humeur. Avec ses insultes, machin. Oh putain. Lui, vous verrez plus tard que lui, il est devenu assez... Il a pété un plomb, hein, ce sergent Pearson. Hein. Bon, Daniel, à un moment donné, il pète un plomb, l'autre. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans.
Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir t'attendre qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage, vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous, en toutes circonstances et partout. Allez, ça va être tempête, les gars. Donc nous voilà dans le débarquement. Là on va débarquer en Normandie, donc là avec l'armée des États-Unis. Hein. Des milliers de soldats américains à faire la guerre contre les Allemands. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Un peu comme dans le film. J'ai l'impression d'être dans le film de Sauver le soldat Ryan. Genre de film comme ça, quoi. Qu'on retrouve cette scène de ce genre. Enfin, ces bateaux, ces navires de guerre, ces bombardiers. Voilà. 500 mètres! Là, ça commence à tirer. Là, ça commence à tirer. Ça commence à tirer par contre. Hein. Ah oui, il y a aussi le lieutenant Turner qui est le supérieur de personne. Bien sûr, lui, il est beaucoup plus sympa que personne. Personne, c'est un tête de rageux, un tête de celui qui rage beaucoup, personne. Franchement, c'est un truc de dingue. Suis le plan ! Va vers la digue ! Quand t'es seul, James, tu peux une bocalore sous tes barbelés ! Allez ! Tenez-vous prêts ! Ouais, vous, il allait dire un gros mot, là, personne. On a un découvert ! C'était un tort, ton de Dieu ! La rampe ! Il a perdu la tête, l'autre. Ouais, je me trompe pas, j'ai l'impression d'être dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Genre un film où on trouve tout ça, hein. Allez. Oh putain, mais les mecs sont cramés déjà au pire, hein. Prends feu. Non. Emporte cette bangalore jusqu'à la digue. Il faut qu'on atteigne ces bunkers. Daniel, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Oh putain, il a carrément perdu le bras, hein. Tu peux le faire ! Oui, chef ! Oh, mon Dieu ! Ah, ça tire de partout, oui ! Aïe, 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 aïe ! Non ! Ah ! Non, putain ! Allez, ça commence bien, je suis déjà mort. J'ai même pas le temps d'aller me mettre en couvert, sérieux. Oh,
Merde. Bon, on va se mettre en couvert derrière le char. Peut-être que ça évitera de se déplacer loin pour se mettre en couvert dans les dans cette espèce de gros machin du but là. Ah putain, c'est pire. Non, non, allez se faire foudre. Ah c'est bon, allez on avance. Par contre, le trophée, j'ai entendu dire qu'il y a un trophée sur ça, c'est d'aller à l'avant sans se faire prendre une balle. Alors par contre, le trophée, ça va être super chaud à faire, dans moins d'une 7 bonne chance, parce qu'il y en a qui veulent le faire. Hein. Bon, en tout cas, je fais pas, laisse tomber. Franchement, ce trophée à faire, bon, je sais pas. Hein. Comptez pas sur moi pour faire ce trophée. D'ailleurs, de jamais prendre une balle, arriver jusqu'à là, bien sûr, de jamais prendre une balle. C'est pas quelque chose, c'est pas une chose facile. Daniel, prends cette torpille, je vais te couvrir. Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers. On y est presque. Tire, tire. Ça va exploser. Boum. Ouh. Allez, c'est parti, on va éliminer les Allemands. Allez. Aïe. Hop. Oh merde. Il est tout à l'aise, je crois. Bon, on va prendre une mitraillette. Sale blessure. Tiens, utilise ça. Merci, l'ami. Ok, c'est parti! Y'a pas de munitions pour ça là? On m'a explosé la tronche là. Casse-toi. Ça y est, anime le spectacle. Il reste plus rien. Ah bah ben voilà, il y a des munitions mitraillettes. Sauf que j'en ai besoin plus hein. Ah bah quand même, il y a des munitions. Alors, le premier bunker est nettoyé, donc on va passer à la suivante. Daniel, j'ai une trousse de secours. Avancez. Allez, balance là. On approche. Voilà, merci. Tu vas bien? Merci. Faut qu'on attaque ces bunkers. Super, il y a un MG 42 là. Tu me gênes lancer. Daniel,
je balance un fumigène. En avant. Ah ah, tiens, en faisant cette mission, j'ai obtenu un trophée. La fumée, je sais pas quoi là, comment t'appelle le titre. Donc là on continue. Là il y a encore des ennemis un peu partout. La prochaine vague d'assaut ne passera pas. J'ai une trousse de secours, Daniel. Par ici. Ça fait mal, même je prends les dégâts alliés là sur les lance-flammes. Allez, on va griller les Allemands, c'est parti! Putain, on dirait vraiment la voix des Japonais. Hein. Comme dans Call of Duty, les anciens là, lorsque vous allumez de. Ah, les merdes! Voilà. Et où là? Merde! Merci. Ils arrivent. Ah, là il y a des munitions, donc on va les prendre, parce qu'on a besoin. Hein. Ah, il y en a encore un ou quoi? Est-ce qu'il y en a encore un? Parce que j'entends la voix. Non, il n'y en a plus. Alors, on continue. Attends, merde. Il faut aller où, là? Alors là, par contre, je suis perdu, là. Je sais pas où il faut y aller. Apparemment, je crois qu'il y en a encore un. Attends. Je crois qu'il y en a encore un Allemand parce que j'entends la voix là. Je sais pas où il est parti. Où est-ce qu'il est? Il me semble qu'il reste un Allemand dans le pat. Ah si, c'est par là. Ah bon, c'est par là, c'est bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est par là. Ça va aller? Je vais mieux. Merci. Allez! Menace! Sur à l'ouest! Il quitte son abri! Avancez en file! Stiles, à Yellow, avec moi! Daniels, toi et Sisman, nettoyez le dernier bunker! Ralliement en haut de la falaise! Allez, Zussmann! Encore un! On va y arriver! Il est mort! Oh oh, merde! Je crois que j'ai oublié de prendre mon fusil là. Reprendre mon fusil parce que j'ai plus l'enflamme. Là, je vais me retrouver sans arme là, par contre, c'est galère. Merde, putain, oublie, reprendre mon fusil super. Bon bah, tout ce qu'il me reste à faire, c'est lancer des grenades. Hein. Boum. Bon, à part, c'est un peu mieux de me lancer.
Allez, je vais me parer. Hop là. Merci pour vos armes. Voilà. Parfait. Et c'est parti. Merde. Ah putain, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Fais chier. Voilà, j'ai dit. Hop. Par ici, mon pote! Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! Génial! On va te sortir de là, reste avec moi! Bon bah. La seule chose à faire, c'est de traîner Hitman de quoi? On peut rejoindre ce PRB! Oh putain, ça ferait enfin près des kilomètres là, ça fait un bon distance à parcourir! On a réussi à traîner ce man jusqu'à nos alliés, quoi. Infirmier ! J'ai besoin de morphine. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai ? Mais bien sûr ! Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, tu dois pas t'endormir. Daniel! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Je m'occupe de lui, vas-y! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage.
En route! On viendra te chercher! Vérifiez vos munitions et vos grenades! Donc, prochain objectif, détruire l'artillerie. Allez! Pourquoi je peux pas monter? Oh! Bah alors? Ah bah merci quand même! Il me faut plus de munitions, chef! Allez hop! Merci! Et bien sûr, là il y aura, on va dire 500 Allemands qui nous attendent là. Ah, pour le moment ils sont déjà sur place, mais après il y aura des renforts qui vont arriver. Hein. Boum. Allez, ouais. C'est parti. Ouh, MG42, oh là, allez, c'est parti! Faut pas les laisser reprendre ce canon! Tenez vos positions! Et voilà, les renforts ils arrivent, donc on va aller ici. Ils sont partout, j'ai encore peu de munitions, sérieux. Sur la G42, il m'a 50 en réserve. Et ben voilà, c'est le dernier cartouche et après je suis à sec. Oh, chaleur. Allez, donne-moi ça, toi. Merci. Merde! Oh, ça, je me suis trompé, voilà, merci. Ah bon, bah, ok. J'ai pris le MG42 pour rien. Allez, on descend, on va détruire ça, et puis basta. Ça va péter! Fouh, bon. Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Et voilà, ça c'est fait. Personne. Il faut un bilan des pertes. J'ai perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. Payé au prix fort. Et voilà. Donc ça, ce sera pour la première mission. Donc on est là, on va faire deux missions aujourd'hui. Pour l'épisode 1, et si j'ai le temps, bah, je ferai le week-end prochain, si j'ai le temps, je ferai l'épisode 2. Avec deux autres missions, et tu voilà. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie. À la mort. Tête de pont établie. On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Il n'était pas sur la plage avec nous ce matin. Donc, cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny.
Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec deux jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marini. Schmeling contre la Mota. Je pense que Schmeling aurait mis la Mota KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement toi, on t'a pas sonné, d'accord. Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marini sans moi. Tout roule comme ça, les roulettes. Une bande d'incapables, d'accord. Chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est parti pour la deuxième mission. Alors là, on a des chars accompagnés, bien sûr. Et on va monter sur les chars. Alors c'est parti. Oh, hey. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien mis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Le sergent Pearson est toujours mauvaise haleine, comme d'habitude. Accrochez-vous, les gars. Ça va secouer. Comme toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne. Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez, allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup. Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson. Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La face de Castrine. J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, et ses hommes y sont restés. Mission a foiré. Un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piques. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? La vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Un sandwich de singe, putain. On se fait un petit barbecue. Genre, depuis quand un singe, ça se mange? Ça avait aucune franchement, sens. C'est incroyable. Les obsèques se feront un cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart. C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche. Merde. Allez, dégagez. Allez. Éloignez-vous de la route. On fera une boucle. Allez. Par contre, j'ai un film. Pourquoi j'arrive pas à courir avec cette manette? Ouais, tant pis. Pour descendre ces Stuka. Mitrailleuse dans la grange. Merde, tout le monde à terre. On doit détruire ces mitrailleuses. Je veux que les équipes les contournent par la gauche et la droite. Allez, allez.
putain, ils vont quand même agacer ces Allemands là. Je me rends au premier étage. Merde, bon. Allez, toi, dégage. À travers ça, on doit rejoindre nos chars. Déployez-vous. Je commande des munitions à Turner là, parce que j'ai plus de munitions là. Il faut plus de munitions, chef! Attention, Daniel! Oh, pas derrière, ça fait mal. Oh, des prisonniers? Ah merde. Au sol! Au sol! Voilà, il a fallu se coucher, j'ai dû se débuter. Allez, bye. C'est parti, on va se jouer Star Wars. Tu dois les abattre, ils arrivent. À 3 heures. C'est détruit. Tu l'as abattu. C'est la radio à l'air Furax. Les poches se doutent de rien. Il en arrive d'autres! À une heure! À 3 heures. Je lui tire, Daniel. À 9 heures en altitude. Voilà, on les a débarrassés. Hey, c'est Thérèse. Hey, Thérèse. Ça va? Ils ont eu mon pote Mills dans l'embuscade. Mais on leur a rendu la monnaie de leurs pièces. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec des packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Pearson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai l'assaut principal avec Thérèse. Bien compris. Daniel, Sussman, avec moi. Allez. Allez, c'est parti. Donc, l'objectif suivant, rendez-vous au point d'observation. C'est quoi ces engins? Des canons allemands. Tueurs de chars. T'as pas lu le briefing? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse contre les tueurs de chars? Je me pose la même question. C'est l'un des nôtres.
Un P-47. Oh merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Par ici! N'oublie pas qu'on a trouvé des nazis. Là, normalement, il y a un sniper. Alors. La Pérez et ses gars. Ils sont droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Oh, un sniper. Alors là, on va se poursuivre. Allez. Poum. À moi. Poum. Les deux groupes de servants des packs 38 ont été éliminés. Le char avance. Éliminer les derniers Allemands dans les tranchées. Boum. Merde. J'ai raté. Comment il a envolé le corps, sérieux? C'est incroyable. Oh, tu vas comme ça, l'Allemagne. Oh merde, j'ai pas vu. Putain, je suis con, j'ai pas vu les grenades. Oh là. Donc, objectif suivant, atteignez la position des tirs rebelles. Oh. Toi dégage. Vers le tonneau. Oh
Donc là, on va se regroupe. À terre! Daniel, sécurise l'ennemi! À terre! Merci. Sympa. Lieutenant. Un instant. Voilà le commandant! Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il nous faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même. Oui, chef. Merde. On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Thérèse, Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible. Les nouveaux ordres de Collins. On part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez! Très bien. On y va! La compagnie Charlie est dans la mouise. Il faut qu'on aille l'aider. Allez! Oh, super. C'est moi qui vais conduire cette fois. Comment on va, Marigny? Suivez la route. C'est le prochain village. Il y a un gros virage qui arrive. Vas-y, maintenant! La route, c'est pour... sur la compagnie Charlie, faut qu'on arrive là-bas les premiers. Vire à gauche. Ouf, ouf, ouf. Ah, ça ils m'ont eu là. Oh, on les écrase comme des crêpes totalement. Ah! Putain, j'ai dérapé comme un con! Tout droit! Pas tout droit! On va pas pouvoir résister longtemps! À droite! Allez, on les écrase! Bim! À droite, tout! Ah. Oula, 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 oula! Fishman, chope le volant! Je me mets à la mitrailleuse! Ça roule! C'est parti! J'ai échappé belle, hein. Tu sais, vous regardez la vie de Jeep, on a risqué de se faire exploser la tronche. Oh, bordel. Aliment. Il va falloir arrêter de se voir comme ça. Faites pas dans la sensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent. Ouais. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas trouver un meilleur endroit pour bivouaquer? Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Chef. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi.
Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. Bon, allez. Sur ça, je vais vous laisser pour cet épisode. Bon, le montage, bien sûr, le temps que YouTube et analyse, et, hein, on pourrait penser que personne pas télécharger avant demain. Donc, mais il en a rien demain, je m'occuperai le montage. Et voilà. Allez, salut!